إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue aujourd'hui l'explication de Sourate Al-Fatiha qui nous est pris ou qu'on comprend du livre Min Kunuz Al-Qur'an Al-Karim. Min Kunuz Al-Qur'an Al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Wara'a. La semaine dernière, on avait commencé à expliquer Surat Al-Fatiha et on avait commencé à expliquer le premier verset, et on a mis en évidence de manière claire que ce premier verset comprenait les trois catégories du Tawhid, que ce soit le Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration, ou Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah Azzawajal dans les noms et les attributs. Donc aujourd'hui on va continuer l'explication. Yaqul Allah Azzawajal fi hadhihi surah al-Azima ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, que l'on traduit par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yaqul al-Sheikh Isman min asma'illahi yadullan ala sifatin min sifatillah ar-Rahma. Donc il faut savoir en fait que lorsqu'on lit nous maintenant le Coran et que l'on trouve un des noms d'Allah Azzawajal, lorsqu'on trouve un des noms d'Allah Azzawajal, qu'est-ce que ce nom en fait il indique? Qu'est-ce que ce nom il indique? Il faut savoir en fait que un nom il indique trois choses. Un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il indique en fait trois choses. La première chose qu'il indique, il indique al-dhat, c'est-à-dire il indique en fait l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on trouve en fait un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il indique dans un premier temps quoi? Al-dhat, c'est-à-dire l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min anwa' dilalati al-asma' al-husna. Les catégories d'indication des noms, des nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose, naqul an al-asma' tadullu ala dhatillah mutabaqatan, par correspondance. C'est-à-dire que chaque nom correspond à quoi? Correspond en fait à dhat, c'est-à-dire correspond à l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque je dis ar-Rahman ar-Rahim, le premier nom correspond à quoi? À l'entité d'Allah. Le deuxième nom correspond à l'entité d'Allah, kadhalik. Et ça c'est important à savoir. C'est important à savoir, surtout en fait, pour connaître ce qu'indiquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre al-Nusus, comprendre le texte tiré du Coran et de la Sunna. Lorsqu'on dit ar-Rahman ala al-Arshi istawa, ar-Rahman min asma'illah azza wa jal, alaysa kadhalik, ar-Rahman il fait partie des noms d'Allah. Et lorsqu'on dit ar-Rahman, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre dit ar-Rahman ala al-Arshi istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annahu istawa bidhatihi. Comment ça? Pourquoi? Parce que le premier nom qui est utilisé, ou le nom d'Allah qui est utilisé ici, ar-Rahman. Ar-Rahman min asma'illah, ça fait partie des noms d'Allah. Et qu'est-ce que ça indique, les noms? Un nom, dans un premier temps, ça indique l'entité d'Allah. Lorsqu'on dit ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, annallah istawa bidhatihi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône de par son entité. De par son entité. Donc ça c'est le bénéfice de connaître les catégories d'indication des noms. Et nama yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna qala rabbuna
والرب من أسماء الله. C'est-à-dire, le Seigneur fait partie, le Seigneur qui est la traduction du nom Ar-Rab, il fait partie en fait des noms d'Allah. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. C'est-à-dire, notre Seigneur descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ربنا يعني ينزل بذاته. C'est-à-dire qu'il descend de par son entité. Pourquoi? Parce que son nom, dans un premier temps, il indique quoi? Un des noms d'Allah, et tous les noms d'Allah, ils indiquent dans un premier temps l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Donc lorsque Allah azawajal yaqul fi surat al-Fatiha, ar-Rahman et ar-Rahim, on sait que ça indique, ces deux noms, on va indiquer dans un premier temps l'entité d'Allah par correspondance. Mutabaqatan, par correspondance. Ensuite, la deuxième chose qu'il indique, le nom, et c'est ce que nous indique en fait le shirk, c'est ce qui nous met en évidence le shirk, يَدُلَّانِ يَقُولَ عَلَى سِفَةٍ مِنْ سِفَاتِ اللَّهِ هِيَ الرَّحْمَةِ. C'est-à-dire que la deuxième catégorie d'indication, c'est quoi? C'est que le nom, il indique l'attribut. C'est que le nom, il indique l'attribut. Chaque nom va indiquer un attribut. Ça, c'est automatique. Et non l'inverse, bien sûr. Et non l'inverse. À la kulli hal, chaque nom indique un attribut. Ici, on a quoi comme nom? الرَّحْمَانِ Ar-Rahim, qu'on traduit par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc il est le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc ça indique quoi? Ça indique, ça c'est la deuxième catégorie, ça va indiquer en fait As-Sifatul Mushtaqqa, c'est-à-dire le nom qui est extrait directement, ou l'attribut qui est extrait directement de ce nom, et qui est quoi? Ici, qui est la miséricorde. La miséricorde qui est l'attribut, bien sûr, du miséricordieux. Si on aurait dit Al-Alim, on aurait dit le savant, alors ça aurait été la science. Si on aurait dit Al-Qadir, alors ça aurait été Al-Qudra, c'est-à-dire on aurait dit le tout puissant ou le tout capable, alors on aurait dit la capacité ou la puissance, etc. Donc ça, c'est ce que nous informe le Shir, rahmatullah alayh, c'est que ça indique en fait la miséricorde. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et à titre de complément, il y a une troisième catégorie, c'est-à-dire que le nom également va indiquer d'autres attributs, mais qui ne sont pas extraits de manière directe de ce même nom. Quand on prend le cas par exemple ici Ar-Rahman, qu'est-ce qu'il va indiquer ce nom? Il va indiquer également un autre sifa. Qu'est-ce qu'elle est ce sifa? C'est Al-Haya, c'est-à-dire la vie. Automatiquement, si Allah Azzawajal il est miséricordieux, il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux, automatiquement avant cela il a l'attribut de la vie. Automatiquement, c'est quelque chose que l'on déduit par implication, etc. C'est-à-dire qu'on peut en fait déduire par implication d'autres attributs que l'on va en fait comprendre suivant la signification de ce nom même. Taïb. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, et d'après ce que nous dit le shir, c'est que il indique en fait un attribut. C'est-à-dire ces deux noms vont indiquer un attribut. Pourquoi? Parce que Ar-Rahman, Ar-Rahim, ils vont avoir la même source, et qui est ici l'attribut Ar-Rahma. L'attribut Ar-Rahma qui est la miséricorde. Taïb. Et ça, bien sûr, c'est par inclusion. C'est-à-dire, lorsqu'on dit par inclusion, tabammunan, par inclusion, ça veut dire tout simplement que ce nom-là, il inclut un attribut. Que ce nom-là, il inclut directement un attribut, et l'attribut qu'il inclut, c'est quoi? C'est la miséricorde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître et bien comprendre au niveau du Tawhid al-Asma wa Sifat, au niveau de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et comprendre les noms et les attributs, c'est une méthodologie à avoir pour comprendre en fait les noms et les attributs, et pour comprendre en fait aussi également comment lire le Coran, sachant que le Coran comprend beaucoup de noms et beaucoup d'attributs. Taïb, le shir, il nous a dit que ça indique... Donc, par inclusion, ça indique la miséricorde. Est-ce que la miséricorde du Rahman, c'est la même miséricorde que Ar-Rahim? Est-ce que c'est exactement la même miséricorde? En fait, les savants, par rapport à ça, lorsqu'ils expliquent et lorsqu'ils détaillent, ils disent que Rahmatur Rahman Mukhtalifan Rahmatir Rahim. C'est pour ça qu'à partir de ça, à partir de là, ils vont donner en fait des indications et des significations. Donc il nous dit tout simplement que la miséricorde du Rahman, c'est pas la même miséricorde que Ar-Rahim, même si elle revient à la miséricorde de façon générale. فَيَقُولُونَ أَنَّ الرَّحْمَنِ يَا الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ, c'est-à-dire la grande miséricorde, la vaste miséricorde. La miséricorde du nom Ar-Rahman, c'est la vaste miséricorde. Cette miséricorde-là qui va atteindre le musulman, comme il va atteindre, ou comme elle va, c'est-à-dire la miséricorde, comme elle va atteindre le musulman, elle va atteindre également le mécréant,
dans cette dunya, le mécréant dans cette dunya. Ne vois-tu pas en fait que le mécréant yatamatta, c'est-à-dire qu'il jouit des enfants, il jouit des biens, il jouit de l'argent, etc. C'est une jouissance qu'il prend durant cette vie. Et ça vient d'où? Ça vient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il lui associe, malgré qu'il l'insulte, malgré cela, Allah azawajal, de par sa miséricorde, il lui donne jouissance dans cette vie d'ici-bas. Ça fait partie de Rahmatur Rahman. Rahmatur Rahman, c'est-à-dire la miséricorde du Ar-Rahman, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Par contre, Ar-Rahim, fayaquloun, Rahmatun, wasila. C'est-à-dire en fait une miséricorde qui va advenir pour les croyants le jour du jugement. Pour les croyants le jour du jugement. Donc on voit ici que ça va être une miséricorde qui va être spécialement pour qui? Pour les croyants et quand? Le jour du jugement. Pourquoi? Parce que ce jour-là, bien sûr, le croyant il aura besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de min al-adl, ça fait partie en fait de la justice. Qu'Allah a fait une miséricorde qui ne va pas être la même miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah a fait une miséricorde aux mécréants qui ne va pas être la même miséricorde qu'il a fait aux croyants, ou vice-versa. Automatiquement, la miséricorde qui va être faite aux croyants ne va pas être la même que celle qui est faite aux mécréants. Ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne qui croit en Allah et celle qui ne croit pas en Allah aurait la même miséricorde? Donc automatiquement, on voit en fait que ces deux noms vont inclure la miséricorde, mais c'est que cette miséricorde en détail, elle va être différente l'une de l'autre. Et aussi, parmi les différences que font les savants entre ces deux noms, ils disent que Ar-Rahman, ou Rahmatur Rahman, Sifatun Dhatia, c'est-à-dire que la miséricorde du Rahman, c'est un attribut qui est propre à l'entité divine. C'est un attribut qui est propre à l'entité divine. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, de manière continuelle, il est qualifié par la miséricorde, par cette miséricorde. Il est qualifié par ce nom Ar-Rahman, de façon continuelle, c'est-à-dire qu'il est qualifié par cette miséricorde qui est de manière continuelle. Par contre, Rahmatur Rahim, Sifatun Fi'aliyah, c'est-à-dire que c'est un attribut qui est en fait propre à l'acte divin, c'est-à-dire un attribut qui va venir sous la ou qui va être subordonné à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il veut faire miséricorde, Allah lui fait miséricorde. Et quand il ne voudra pas faire miséricorde, il ne fera pas miséricorde. Et c'est là qu'on comprend en fait que cette miséricorde-là, elle va être le jour du jugement. Donc elle va être dans un temps précis. Et elle va être pour des gens spéciaux, c'est-à-dire les croyants. Donc on comprend par rapport à ici que Rahmatur Rahim, Sifatun Fi'aliyah. Wa Rahmatur Rahman, Sifatun Dhatiyah. Hada min al-furuq. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, يقول في كتابي الرحمن على العرش استوى والرحمن c'est le seul nom en dehors du nom propre d'Allah qui est Allah, c'est le seul nom qui commence ou par lequel débute un verset, et aussi comme في سورة الرحمن c'est le seul nom الرحمن par lequel Allah عز وجل débute un verset الرحمن على العرش استوى فدل على أنه صفة أو أن رحمة الرحمن صفة ذاتية. Que c'est un nom, que c'est en fait un attribut, la miséricorde du Rahman, c'est un attribut qui est propre à l'entité divine. Par contre, il y a pour Allah Azza wa Jal, Fism al-Rahim, wa kana bil mu'minin rahima. Wa kana bil mu'minin rahima. C'est-à-dire, il est envers les croyants rahim. Allah Azza wa Jal est envers les croyants rahim. Donc on voit en fait que cette miséricorde en fait va être pour les croyants. Et comme on l'a dit, comme on dit beaucoup de savants, le jour du jugement. Non. Ensuite, le shir va nous donner encore une autre différence entre ces deux noms. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Warrahman min al-asma allati la tutlaq illa ala Allah. Warrahim ja'a fil Qur'an itlaquhu ala ghayrihi. Qala Allah 'azza wa jalla fi nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 'azizun 'alayhi ma 'anittum. Donc on voit ici que dans un premier temps le shir nous dit que Ar-Rahman, ce nom là il est spécial pour Allah, qu'on n'a pas le droit de qualifier une personne par ce nom, de dire cette foulane Rahman, la yumkin, c'est interdit, ce n'est pas possible, alors que Ar-Rahim, le terme Ar-Rahim ou le nom Rahim, il est possible de dire qu'une personne
et Rahim, c'est-à-dire miséricordieux. Donc c'est une différence qu'il y a à faire entre ces deux noms. Et le shirk, il est venu par un verset qui nous a cité, par le verset qui nous a cité. Et c'est le verset 128 et qui se trouve sur surat At-Tawba, qui est un dalil pour dire en fait que ce nom est utilisé dans le cas d'un être humain. Et ici en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sens de la traduction de ce verset, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et miséricordieux envers les croyants. Bil mu'minina ra'oufur rahim. Ça, c'est les attributs qu'a donné à son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a donné Allah à son prophète. Donc voilà pour ce qui est le verset Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et bien entendu, on s'aperçoit encore une autre fois qu'ici, Ithbat Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a en fait quoi? Il y a en fait l'attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et ses attributs. Ensuite, يقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين. يقول الشيخ يدل على توحيد الربوبية والله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه له ملك السماوات والأرض وما بينهما ومالك الدنيا والآخرة. C'est-à-dire ici qu'Allah عز وجل nous dit maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire مالك يوم الدين. Donc en fait, le jour de la rétribution va être ici annexé au maître. C'est-à-dire qu'il est ce jour-là le maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est le maître aussi fi dunya? Tab'an. Allah azza wa jalla, il est le maître dans cette dunya. C'est à lui qu'appartient en fait la royauté, que ce soit dans cette dunya ou dans fil akhira. Simplement, pourquoi en fait Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ce jour-là en disant qu'il est le maître? يعني قال مالك يوم الدين il n'a pas dit مالك يوم الدين و الدنيا قال مالك يوم الدين tout simplement الحكمة في ذلك c'est-à-dire la sagesse dans cela c'est que dans cette dunya comme nous l'explique le shir c'est que dans cette dunya en fait il y a des gens qui sont, ils se prennent pour des maîtres absolus et que certaines personnes qui les suivent les prennent pour telles. Et ça, c'est du volm, ça, c'est de l'injustice. Par contre, ça existe durant cette vie, durant cette dunya. Alors que dans l'au-delà, Yawm al-Din, le jour de la résurrection, ça n'existera pas. Impossible. C'est-à-dire que ce jour-là, comme a dit le shir, fi dhalika al-yawm yakhba' al-jami' li rabbil alamin, bi khilaf al-dunya. C'est-à-dire que durant ce jour-là, le jour du jugement, tous se soumettront. Et tous seront humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans exceptions. Et personne ne pourra faire apparaître en fait ce dhulm qu'ils ont fait apparaître, cette injustice qu'ils ont fait apparaître durant la vie d'ici-bas. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal qu'a huna maliki yawm al-din, qu'il a spécifié qu'il est le maître le jour de la rétribution. Le jour de la rétribution. Yawm al-din. Et c'est pour ça qu'on trouve dans cette vie d'ici-bas, il nous donne un exemple, le Cheikh nous a donné un exemple. L'exemple de qui? De celui qui a dit Ana rabbukum al-a'la, Allah musta'an. قال هذا الرجل أنا ربكم الأعلى. Il a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. Qui c'est qui a dit ça? Pharaon, qui est arrivé à un point de dire qu'il est le Seigneur le Très-Haut. Qu'il est le Seigneur le Très-Haut. Il a dit ça أمام الملا, c'est-à-dire devant l'assemblée. ويقول كذلك يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول, c'est-à-dire il dit devant son assemblée, je ne connais pas pour vous une autre divinité que moi. Je ne connais pas pour vous une autre divinité pour moi. La personne qui s'est pris pour une divinité, la personne qui s'est pris pour un seigneur, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a enfoui sous la mer, subhanahu wa ta'ala, pour lui montrer en fait la puissance, subhanahu wa ta'ala, qu'il détient, subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette vie d'ici-bas, on voit ces gens-là. Qui apparaissent et qui se prennent en fait pour des maîtres absolus. Alors que fil akhira, ça c'est une chose qui sera impossible. C'est une chose qui sera impossible. Wa yaqul Allah azza wa jal, lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله
Donc dans ces versets, Allah Azzawajal nous met en évidence sa royauté, subhanahu wa ta'ala. Il nous met en évidence de façon claire et nette sa royauté. Yaqul, parmi les traductions du sens des versets, il dit: qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, dites si vous le savez. Ils diront: Allah. Dit: comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés, c'est-à-dire au point de ne pas croire en lui, alors qu'il a dit auparavant: béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala: à Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Tous ces versets que le cheikh nous a cités et dont on a cité la traduction du sens des versets, alors nous prouvent de façon claire et nette que al-mulk lillah fi dunya wal akhirah. Al-mulk lillahi fi dunya wal akhirah. C'est-à-dire que la royauté d'Allah azawajal, elle est pour lui uniquement, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce mulk que les gens ont, ada mulku nisbi, c'est-à-dire en fait que la royauté à qui appartient, ou la royauté qu'ont certaines personnes, ce n'est qu'une royauté en fait qui est relative et qui n'est pas absolue, relative. C'est-à-dire que cette royauté, Allah azawajal huwa alladhi yudabbir al-amr fawqa. C'est-à-dire que c'est Allah azawajal qui lui yudabbir, c'est-à-dire que c'est lui qui gère toute chose et que rien en fait ne peut sortir de son mulk et que rien ne peut arriver à cette personne, à la royauté qu'il lui a donnée, sans l'accord d'Allah azawajal. Et il le prend comme il l'a donné. Il peut reprendre sa royauté comme il l'a donné. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, yaqul Allah azawajal: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours, dont nous implorons secours. Ayatun azima. Ça, c'est un verset encore qui est exceptionnel et grandiose. يقول الشيخ يدل على توحيد الألوهية وتقديم المفعول على الفاعلين أو عفوا على الفعلين يدل على الحصر على الفعلين يدل على الحصر وأن العبادة لا تكون إلا لله وأن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله والجملة الأولى تدل على أن المسلم يأتي بعبادة خالصة لوجه الله مع موافقتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجملة الثانية تدل على أو الجملة الثانية تدل على أن المسلم لا يستعين في أمور دينه ودنياه إلا بالله عز وجل. Il nous dit tout simplement le shir que ce verset nous indique l'unicité d'Allah عز وجل dans l'adoration. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة, comme on l'a vu, ces deux termes qui sont employés. ويقول وتقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر. Il faut savoir en fait au niveau de la langue arabe qu'il y a des règles bien sûr. Wal aslu fil lugha wa taqdimul fa'il 'ala al maf'ul. Taqdimul fa'il 'ala al maf'ul, c'est-à-dire que le sujet va toujours être va précéder en fait le complément. Ça c'est une règle qui est générale, mais il se peut en fait que le complément vienne en fait avant le sujet. Vienne en fait avant le sujet ou ce qui prend la place du sujet. Et c'est ce que nous indique ici le cheikh. Et lorsqu'en fait ce procédé est utilisé au niveau de la langue arabe, c'est-à-dire que le complément est mis en avant, taqdim al-maf'ul, que le complément est mis en avant par rapport en fait au sujet ou ce qui prend la place du sujet au niveau de la langue arabe, alors yaqul al-shi'r yadullu 'ala al-hasr. Yadullu 'ala al-hasr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici au niveau de l'application, iyyaka na'budu, ça veut dire que nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si on aurait dit, on voit ici que al-maf'ul iyyaka ou al-maf'ul muqaddam iyyaka. Qala Allah azza wa jalla iyyaka na'budu wa ma qala na'buduk. Ma qala na'buduk, c'est-à-dire il n'a pas dit nous t'adorons. Il a dit c'est toi seul que nous adorons. Donc ici, yadullu 'ala al-hasr. C'est-à-dire, ça, c'est une preuve en fait que seule l'adoration est pour Allah. Donc c'est l'exclusivité. Ça prouve en fait l'exclusivité. Et que Allah Azzawajal est le seul qui mérite d'être adoré. Et le seul qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que naqul fi ma'na la ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqin illallah. Que c'est le seul Allah Azzawajal qui mérite l'adoration. Et lorsque l'on dit bi haqq, c'est-à-dire que fil waqi', c'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, on voit bel et bien des gens qui adorent malgré cela des autres divinités. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالْبَاطِلِ. Donc ça c'est une preuve que toute adoration faite pour autre qu'Allah, هَذَا بَاطِلِ. Et que toute adoration pour Allah عز وجل, هَذَا وَالْحَقِّ. Cela est la vérité.
لا معبود بحق أو حقا إلى الله إياك نعبد c'est toi seul dont nous adorons et donc c'est toi seul qui mérite l'adoration وإياك نستعين le même procédé est utilisé ici c'est-à-dire que on a fait devancer le complément sur ce qui prend la place du sujet et donc en fait ici yadullu ala al-has c'est-à-dire ça nous indique l'exclusivité et que seul Allah Azzawajal est celui dont nous demandons le secours donc en fait ici il nous dit le shir que dans un premier temps la première phrase iyyaka na'budu dans cette première phrase qu'est-ce que nous avons hein nous avons en fait la preuve que le musulman le véritable croyant c'est celui qui vient en fait avec une adoration qui est pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu shaykh ma'a muwafaqatiha li sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, en plus que cette adoration comprenne là, une pureté ou une sincérité dans l'intention qui est à l'ikhlas, il faut en plus que là, bien sûr, qu'elle soit, comme nous dit le shaykh, ma'a muwafaqatiha, c'est-à-dire le muwafaqa, ou ce qu'on appelle aussi le mutaba'a au niveau de, du shara, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit d'adorer Allah azawajal avec ce qu'il n'a pas légiféré, c'est-à-dire avec al-bid'a, c'est-à-dire avec l'innovation. Ça, ça nous est interdit. Donc ça, c'est les deux, bien sûr, comme vous savez tous, c'est les deux conditions d'acceptation de quoi ? De l'adoration. Qu'elle soit lillahi khalisa, c'est-à-dire qu'elle soit pour Allah azawajal purement, et en plus qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, al-ibada, le shir, bien sûr, nous a pas donné ici la définition, mais la définition qui est donnée, et qui est l'une des définitions la plus connue, et qu'on a répété plusieurs fois, c'est celle qui est donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Fayaqul al-ibada, ismun jami'a li kulli ma yuhibbu Allah wa yarba, min qawlin wa fi'lin, aw min aqwalin wa af'alin, zahira. C'est-à-dire que c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah Azzawajal il aime et il agrée, que ce soit des actes ou des paroles, et que ces actes et ces paroles soient apparentes ou soient cachées. Qu'elles soient apparentes ou soient cachées. Ça, c'est la meilleure définition qui a été donnée par Cheikh Ali, par un des savants, qui est Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, et cette définition que l'on trouve, Fikitab al-Ubudiyya. Fikitab al-Ubudiyya. Ça, c'est l'adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire que non seulement on adore Allah Azzawajal, mais on demande à Allah Azzawajal qu'il nous aide dans cela. Et na'am. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'il nous aide dans toutes nos affaires. C'est-à-dire qu'on s'en remet à Allah Azzawajal dans toutes nos affaires. À chaque fois que la personne a besoin de quelque chose, elle doit s'en remettre à Allah de par son cœur. Yu'alliq qalbahu billah Azzawajal. Faqat. C'est-à-dire qu'il raccroche son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose et qu'il a besoin d'aide alors qu'il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'aide, c'est lui qui va l'aider subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc on voit ici aussi taqdimul ghaya ala al wasila, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal al ibada hiya al ghaya, c'est-à-dire que al ibada c'est en fait la fin en elle-même, c'est ce que la personne veut concrétiser l'adoration, et ensuite iyyaka nasta'in, ça c'est al wasila, c'est-à-dire que pour concrétiser cette fin là elle va passer bien sûr par des moyens, et ces moyens là c'est elle va les demander à Allah azza wa jalla. Iyyaka nasta'in, donc taqdim al ghaya ala al wasila. Et donc bien sûr, de façon évidente, lorsqu'on a dit iyyaka na'budu et que ça prouvait l'exclusivité de l'adoration pour Allah azza wa jalla, ça ada ayn wa qalb tawhid al uluya, ça là c'est le cœur de l'unicité de quoi ? De l'adoration. Ensuite, il dit Allah Azza wa Jal, Ihdina al-sirat al-mustaqim. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Il dit Yadullu ala tawhid al-uluhiyya. Yadullu ala tawhid al-uluhiyya. Et avant de passer à ce verset, un complément que l'on va donner en plus aussi, c'est qu'al-isti'ana, c'est-à-dire la demande d'aide, c'est une adoration. C'est une adoration. Donc aussi, ici, on voit en fait que dans un premier temps, Allah Azza wa Jal nous a cité ce qui est général, am, wa yal ibada, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il nous a cité ce qui est plus ou ce qui est spécifique, et qui est l'isti'ana. Donc, l'isti'ana tu min al ibada, c'est-à-dire demander l'aide à Allah Azza wa Jal fait partie de l'adoration. Si elle fait partie de l'adoration, donc on voit ici que il y a la spécificité qui a été citée après quoi ? Après la généralité. Après la généralité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et le deuxième complément que l'on donne aussi, c'est qu'al-isti'ana, elle est permise.
c'est-à-dire demander de l'aide, elle est permise envers la personne. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander l'aide à la personne également. Mais, bishartain, c'est-à-dire avec deux conditions. Dans un premier temps, que cette personne-là soit vivante. Donc on n'a pas le droit de demander de l'aide à une personne qui est morte. Ça, c'est impossible. Parce que, al-mayyit la yaqdir ala shay, abadan. La yaqdir ala shay al-mayyit. C'est-à-dire que le mort ne peut faire quoi que ce soit. Il n'a pas la capacité de faire quelque chose. Donc c'est demander en fait à quelqu'un de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc il faut que la personne dans un premier temps soit vivante. Et la deuxième condition, qu'elle soit capable de faire ce qui lui est demandé. Qu'elle soit capable de faire ce qui lui est demandé. Ça c'est la deuxième condition. Donc on n'a pas le droit de demander à une personne qui est vivante ce qu'elle ne peut faire. Comme par exemple lui demander de faire tomber la pluie. Comme lui demander d'avoir un enfant. Comme lui demander un risque, yani la pourvoyance, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on demande. La yaqdiru alayhi illallah azawajal. C'est-à-dire que seul Allah azawajal est capable de faire ces choses-là. De nous faire tomber la pluie, de nous donner notre pourvoyance et aussi de quoi de nous donner des enfants, etc. Tout cela, c'est spécial pour Allah et c'est seul Allah qui est capable de le faire. Donc ça aussi, c'est une condition, de demander à la personne ce qu'elle est capable de faire. Par contre, lui demander ce qu'elle n'est pas capable de faire, alors là, on va rentrer fi al-zulm, on va rentrer dans l'injustice. Un najar al-shay fi ghayri mawdi'i, qu'on mette une chose dans ce qui n'est pas son emplacement. Ici, c'est talab al-aoun, c'est-à-dire al-isti'ana, demander l'aide. Ensuite, yaqul Allah azza wa jal, ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous dans le droit chemin. Yaqul al-shaykh, yadullu ala tawhid al-uluhiyya, kadhalik, c'est-à-dire que ce verset prouve aussi, nous indique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pourquoi ? Yana yaqul al-shaykh, wa wad-du'a, wad-du'a min anwa' al-ibada. كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc le cheikh nous dit tout simplement que là on demande en fait, on va demander à Allah عز وجل quoi? On va demander en fait qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc ça c'est une dua, c'est une invocation, et toute invocation, comme on l'a déjà précisé le cours précédent, toute invocation est une adoration. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous rapporte la preuve, le cheikh يقول, en récitant le verset wa anna al-masajida lillah, c'est-à-dire que les mosquées sont pour Allah, les mosquées sont pour Allah. Fala tad'u ma Allahi ahadan, fala tad'u ma Allahi ahadan, c'est-à-dire n'invoque pas avec Allah un autre que lui. Donc ça c'est une preuve en fait que dans un premier temps l'invocation est une adoration, et dans un deuxième temps que c'est donc invocation, on a le droit que de la diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que de la concrétiser dans le droit d'Allah uniquement. Wa yaqul al-shaykh wa hadha ad-du'a mujtamil 'ala a'zam matlubin lil-'abd huwa al-hidayah ila as-sirat al-mustaqim. Subhanallah. Il nous dit le shaykh en fait que cette du'a, elle comprend ce qui va être le plus demandé, ce qui est le plus grandement demandé par al-'abd, par le serviteur. Pourquoi ? Parce que lorsque la personne demande guide-moi sur le droit chemin et qu'Allah azza wa jalla waffiquhu, c'est-à-dire qu'il lui accorde cette guidance, alors il n'a plus rien à craindre. La personne qui est bien guidée et qu'Allah Azzawajal lui a accordé cette guidance, alors il n'a plus rien à craindre. Il n'a plus rien à craindre. Donc c'est pour ça que cette invocation qui va être en fait considérée comme la plus grande et qui va comprendre le bien de la vie d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Le bien de la vie d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et il nous dit en fait que demander cette guidance-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est même encore plus important que du fait de demander notre nourriture et notre boisson. Pourquoi ? Parce qu'il nous explique le shir que la nourriture et la boisson, c'est simplement en fait ce qu'on a besoin dans cette dunya. Yaqul zadu hayati al-faniya, c'est-à-dire ce que nous avons besoin durant cette vie d'ici-bas, cette vie en fait qui va s'arrêter. Alors qu'al-hidayatu ila sirat al-mustaqim, c'est-à-dire que cette guidance que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle en fait que l'on va avoir dans la vie qui sera une vie éternelle, baqiya, une vie qui va rester et qui sera éternelle. Et il nous dit le shiresso, c'est aussi important de le comprendre lorsqu'on cite à chaque fois dans notre prière cette dua, qul wayashtamil hadhihi ad-du'a 'ala talab ath-thabat 'ala al-hidayati al-hasilati. Ça aussi c'est important. Il va nous citer des versets par rapport à ça, le cheikh. C'est-à-dire que non seulement on demande qu'il nous guide, mais on demande aussi dans un deuxième temps que nos pas soient affermis sur quoi ? Sur cette guidance. Non seulement lorsque la personne
Allah Azzawajal l'a guidé, elle demande que Allah Azzawajal, il demande à Allah, cette personne, qu'Allah Azzawajal lui affermisse ses pas sur cette voie-là, qu'elle ne le fasse pas dévier. Et il nous dit même, wa ala talab al-mazid, c'est-à-dire qu'on demande toujours plus, on aura toujours besoin de cette guidance. Et toujours, toujours, il faut la demander à Allah, et il faut demander toujours plus. C'est-à-dire que cette guidance-là, elle a des degrés bien sûr, et qu'il faut que l'on atteigne le plus de degrés possible, que ce soit par rapport à cette vie d'ici-bas, afin que l'on atteigne les plus hauts degrés dans l'au-delà, fil jannati. Et à partir de là, il nous donne des versets, le shir. Yaqul Allah Azza wa Jal, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ça, c'est fi surat Muhammad, le verset 17. Le verset 17. Et la traduction, c'est « Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. » Il les guida encore plus. C'est pour ça que « Natlub al-Mazid min al-Hidayah » Non seulement la personne peut être sur la bonne voie et sur la guidance et qu'ils suivent la voie authentique. « As-sirat al-mustaqim » Lakin yasal al-Mazid » C'est-à-dire qu'il demande encore plus. Et ça, c'est une preuve encore dans ce verset. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus. Il les guida encore plus. Zadahum huda. Un autre verset qui nous donne aussi le shir. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. C'est-à-dire, bien sûr, il parle par rapport aux gens de la caverne. Ashabul kahf. Ashabul kahf. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Ils ont cru en leur Seigneur. Ils ont quitté leur peuple qu'ils associaient à Allah Azza wa Jal. Et ils ont cru en leur Seigneur, ils ont été sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal, hein, en informant son prophète? Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. De se diriger dans la bonne voie. Et yaqul Allah Azzawajal, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Ça c'est encore une preuve. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Donc non seulement quand on demande al-hidayah, on demande l'origine de cette guidance, mais on demande aussi al-mazid, on demande toujours plus sur cette guidance-là. Et aussi, il faut savoir qu'al-hidayah, ici, naqul ihdina as-sirat al-mustaqim. Et en fait, il faut savoir qu'au niveau d'al-hidayah, c'est-à-dire au niveau de la guidance, il y a en fait deux catégories. Il y a en fait deux catégories. Et la première catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hidayah al-tawfiqiyah. Tawfiq min Allah, azza wa jal. Hadi al-hidayah al-tawfiqiyah. Ça, c'est la première catégorie de la guidance. Et cette guidance-là, c'est Allah Azzawajal qui la donne. C'est Allah Azzawajal qui la donne. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hidayah al-irshadiyah. Al-hidayah al-irshadiyah. Et cette deuxième guidance, c'est une guidance qui appartient à Allah également, mais aussi qui appartient en fait également aux hommes. Et aux prophètes, et à tous ceux qui montrent en fait la bonne voie. Donc c'est pour ça qu'on dit Hidayatun Irshadiya. Eux simplement, en fait, les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont montré le bon chemin. Donc le fait qu'ils nous ont montré le bon chemin, ils nous ont en fait guidés sur cette voie-là. De par quoi? De par le fait qu'ils nous ont montré, qu'ils nous ont indiqué le bon chemin. Donc ça, c'est du Irshad, ce qu'on appelle l'Irshad. Et ça, c'est aussi une forme et une catégorie de la guidance. Par contre, Al-hidayatu tawfiqiyya hadha biyadillahi azza wa jalla. C'est-à-dire que la guidance qu'Allah azza wa jalla octroie à la personne, alors celle-là, elle appartient uniquement à Allah azza wa jalla. Et seul Allah azza wa jalla, il est capable et il a le pouvoir de guider ses serviteurs, contrairement à l'homme, quel que soit, même que ce soit le prophète. Même que ce soit le prophète. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il le dit, ça, Allah Azzawajal le dit à son prophète. Il le dit à son prophète, tu ne guides pas celui dont tu aimes, mais Allah Azzawajal guide qui il veut. Même si toi tu aimes qu'une personne sera guidée, ô Muhammad, Allah Azzawajal, s'il ne veut pas qu'elle soit guidée, elle ne sera pas guidée. Ça, c'est al-hidayah al-tawfiqiyah. Et c'est celle-là en fait qu'on demande à Allah Azzawajal. On la demande celle-là. On la demande dans un premier temps. Et on la demande aussi cette hidayah al-irshadiyah, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous assujettit une personne qui va nous guider sur le bon chemin, un savant qui va nous montrer minhaj salaf, qui va nous montrer en fait la voie des pieux prédécesseurs et comment en fait suivre cette voie-là et comment appliquer cette guidance au niveau pratique. Enam. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande à Allah Azzawajal dans cette doua. Ensuite, yaqul Allah Azzawajal sirat alladhina an'amta alayhim. C'est-à-dire Allah Azzawajal, ou le sens de ce verset, et il nous dit subhanahu wa ta'ala,
le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de faveur. Ça donc c'est en fait, c'est un descriptif de cette voie-là, de ce droit chemin. Et comme vous savez, Allah Azzawajal, lorsqu'il nous indique ce verset-là, il nous a en fait indiqué qui sont ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des catégories de gens. Ce qui est sous-entendu ici, ce sont des catégories de gens. Et Allah Azzawajal nous a indiqué dans un autre verset. Donc à partir de là, un point que l'on peut dire, c'est qu'il faut savoir que le Coran, en fait, il y a le tafsir et le Coran, c'est-à-dire l'exégèse ou l'explication, le tafsir du Coran, se fait en fait bimarahil, se fait en fait par étapes. C'est pour ça que les savants nous disent qu'il y a en fait 5 étapes de façon générale. Ils nous disent tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, c'est-à-dire expliquer le Coran par le Coran. Il faut savoir en fait qu'il y a des versets dont Allah Azzawajal les a cités de façon générale, il les a détaillés dans d'autres passages. Donc à partir de là, on peut connaître l'explication du Coran par le Coran lui-même. Wa tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Et c'est pour ça en fait qu'un des livres que l'on va voir tout le long en fait des cours, pourquoi ? Parce que le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abad, il a eu un de ses chers qui s'appelait Cheikh Mohamed Al-Amin, le Mauritanien, le grand savant, celui qui est le Al-Mufassir du Coran, ou Al-Usuli, c'est-à-dire le grand explicateur du Coran, et qui écrit son livre qui s'appelle Abwaul Bayan, fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, Abwaul Bayan, c'est-à-dire les lumières, Al-Bayan, les lumières de Al-Bayan, c'est-à-dire de l'explication, etc. Et en fait, ce livre-là, le Shir, tout le long de son livre, Min Kunuz al-Qur'an, il va revenir à ce livre-là. Il va revenir en fait à ce tafsir. Et le Cheikh, il faut savoir, Cheikh Abdel Mohsin, qu'il a été un élève de Cheikh Mohamed Al-Amin. C'est pour ça qu'on va voir dans le livre, lorsqu'il nous dit, il nous dit « Qala Sheikhuna ». « Qala Sheikhuna » Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shanqiti, rahimullah. Pourquoi ? Parce qu'il étudiait auprès de lui. Et il va beaucoup revenir. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est fabuleux et magnifique. C'est-à-dire un livre où le Cheikh, en fait, il expliquait le Coran par le Coran. Ala kulli hal, ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape, tafsir al-Qur'an bis-sunnah. C'est-à-dire que l'on va expliquer les versets du Coran par la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la deuxième étape. Ensuite la troisième étape, bien sûr lorsqu'on dit sunnah, toujours on dit bis-sunnati sahiha. C'est sous-entendu, c'est-à-dire la sunnah qui est authentique. La sunnah qui est authentique. La troisième étape, tafsir al-Qur'an bi-aqwal al-sahaba. Tafsir al-Qur'an bi-aqwal al-sahaba, c'est-à-dire que l'on va revenir maintenant, si l'on ne trouve pas une explication dans la sunna du prophète, on va revenir aux paroles des sahaba. Pourquoi ? Parce que les sahaba, eux, ils ont pris en fait l'explication de qui ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été leur maître, ça a été leur éducateur, ça a été leur professeur. Donc on revient à eux, on revient aux sahaba. Si on ne trouve pas dans la sunna, on revient aux sahaba, on voit qu'est-ce qu'ils ont dit les sahaba. Et le meilleur des compagnons pour ce qui est de l'explication du Coran, et vous savez tous, c'est Ibn Abbas. Li du'a in Nabi sallallahu alayhi wa sallam law. Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi din. C'est-à-dire Allahumma allimhu ta'wil, ta'wil qui est tafsir. Au niveau de la langue arabe, at-asl ta'wil c'est at-tafsir. C'est-à-dire lorsqu'on dit at-ta'wil ça veut dire en fait l'explication. At-ta'wil ça veut dire l'explication. Et c'est en fait le tafsir. Et c'est ce que la parole qu'a. Ou le mot qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé à Allah Azzawajal qu'il lui enseigne le tafsir. Et bien sûr, le ta'wil, tafsir al-Qur'an. Et il est devenu, Ibn Abbas, l'un des plus grands compagnons pour ce qui est de l'explication du Coran. Si ensuite, on ne trouve pas des paroles des compagnons, là on revient à la aqwal al-tabi'in. C'est-à-dire on revient à ceux qui ont appris chez les compagnons. À ceux qui ont appris chez les compagnons, c'est-à-dire les adeptes, les disciples du compagnon. Et ça, c'est la quatrième étape. Yani tafsir al-Qur'an bi aqwal al-tabi'in. Pourquoi ? Parce que les tabi'in, ils ont pris de qui ? Ils ont pris des sahaba. Et les sahaba, ils ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dans la cinquième étape, c'est tafsir al-Qur'an bi lughat al-arabiyya. Pourquoi ? Parce que le Coran, il est descendu en fait en une langue arabe claire. Et donc, on va comprendre les versets. On va comprendre beaucoup de versets en passant tout simplement par la langue arabe. D'où on voit encore l'importance de connaître la langue arabe et d'apprendre la langue arabe. Ça, c'est la cinquième étape. Explication du Coran par la langue arabe. C'est les cinq étapes. Et donc, ici, on voit dans ce verset une application
c'est l'application de la première étape qui est l'explication du Coran par le Coran. يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الله عز وجل, le sens de ce verset, quiconque obéit à Allah et au messager, ومن يطع الله والرسول, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et non, qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé à Allah Azzawajal qui nous guide sur la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits? Na'am, avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Et à partir de là, Allah Azzawajal, il va donner les quatre catégories. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, des prophètes, c'est-à-dire parmi les prophètes, والصديقين, les véridiques, والشهداء, les martyrs, والصالحين, les vertueux, et quels compagnons que cela, et quels compagnons que cela, وحسن أولئك رفيقا. Donc c'est cela qu'Allah Azzawajal, il les a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ensuite يقول الله Azzawajal غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Non, pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Comment on va savoir maintenant que ce sont ceux qui ont en fait encouru la colère d'Allah Azzawajal et ceux qui sont égarés? En revenant au Coran, c'est-à-dire en revenant aussi à la Coran, au Coran, et en revenant aussi à la sunna du prophète. En revenant à la sunna du prophète, sachant en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qui sont ces gens-là. Et donc parmi ces gens-là, ou ces gens-là, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ceux qui ont encouru la colère, al-marboub alayhim, et on voit ici que ce sont en fait les juifs. Ce sont les juifs. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Et le shir, en rapportant bien sûr une parole de shir Mohamed al-Amin dans son livre Abu al-Bayan, il dit, il va nous rapporter en fait sifat, c'est-à-dire il va nous rapporter les particularités de ces des juifs. Donc, lorsqu'il nous dit al-marboub alayhim, il va rapporter d'autres versets. Parmi les versets qu'il rapporte, Faba'u bi rababin ala rabab. Et ça, ce verset est descendu sur les juifs, sur Bani Israël. Faba'u bi rababin ala rabab. Donc on voit que le rabab, la colère, c'est en fait un attribut qui toujours colle en fait à qui? Aux juifs. Ils ont donc acquis colère sur colère. Ils ont donc acquis colère sur colère. Wa yaqul Allah azza wa jalla, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه من لعنه الله وغضب عليهم. C'est-à-dire, dans ce verset, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère. Et ce verset, il est descendu aussi sur les juifs. Celui dont Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère. C'est pour ça qu'ensuite, à la fin du verset, ce dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré, on voit en fait que c'est les juifs qui ont été transformés en singes, et qu'ils ont été transformés aussi en porcs. Donc c'est bien en fait le verset qui est descendu sur le juif. Et le terme en sens qui est employé, « wa radiba alayhi »« wa radiba alayhi », c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal s'est mis en colère contre lui. « Wa yaqul Allah Azzawajal, inna alladhina attakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadab »« inna alladhina attakhadhu al-ijla » Ceux qui ont pris en fait, comme vous savez, le veau d'or pour mon adoration. Et ça, c'est les juifs, Bani Israël. Sayanaluhum ghadab. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir la colère d'Allah Azzawajal, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit en fait ici que non seulement d'après les versets du Coran et d'après le tafsir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de doute que al-marboub alayhim, ce sont les juifs. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi, et c'est un hadith qui est aussi authentifié par l'imam al-Albani fi silsilat al-sahiha. Le hadith, c'est le numéro 3263, ça c'est fi silsilat al-sahiha du shir al-Albani rahmatullah alayhi. Et ensuite le shir, lorsqu'il revient maintenant à la deuxième caractéristique, wala dalin, c'est-à-dire ni des égarés. Et les égarés ici, ce sont en fait les chrétiens an-nasara. Et il nous rapporte encore un verset, le Cheikh rahmatullah alayhi, yani Cheikh Mohamed al-Amin, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Qu'est-ce que veut dire ce verset?
Naam, dit aux gens du livre, c'est-à-dire le début du verset, dit aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. C'est surat al-Ma'ida et c'est le verset 77. Et ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés. Donc on voit ici le terme. Qawmin qad ballu, qad ballu, qad ballu. Donc on voit que c'est le dalal, c'est l'égarement. Et naam, ceux qui sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Et ça, ce verset, il est descendu sur Al-Nasara. Il est descendu particulièrement sur qui? Sur Al-Nasara, c'est-à-dire les chrétiens. Donc c'est pour ça que le shir, il le ramène. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi mis en évidence que ce sont Al-Nasara. Que ce sont Al-Nasara. Par contre, il ne faut pas croire en fait que Allah Azzawajal n'est pas en colère également contre les chrétiens. Et que les juifs ne sont pas considérés comme des égarés. Non, que les chrétiens également ce sont des gens sur qui la colère d'Allah Azzawajal est tombée. Et on voit aussi que les juifs ce sont des gens qui sont égarés. Et même Cheikh Al-Uthaymeen, fi tafsir surat al-Fatiha, Cheikh Al-Uthaymeen, lui il voit que en fait les égarés, ou ce sifat les égarés, c'est en fait pour les chrétiens qabl al-Bi'atha, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces gens-là ne connaissaient pas la vérité avant quoi? Avant en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. Alors que les juifs, eux, ils connaissaient la vérité. Binnas al-Qur'an. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. C'est-à-dire ils le connaissent, ils l'ont reconnu comme ils ont connu leur enfant. Et ça, c'est les juifs. Alors que les chrétiens, eux, ils étaient égarés et n'ont pas suivi en fait la voie. Par contre, après, le Cheikh Al-Uthaymeen dit, après que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont égarés et qu'ils sont égarés par ignorance? Là. Et c'est pour ça encore que le pape, il y a quelque temps, il a parlé sur l'islam. Lorsqu'il a parlé sur l'islam, il ne connaissait pas l'islam. Lorsqu'il a rapporté en fait sa thèse d'un soi-disant intellectuel chrétien, il ne connaissait pas l'islam. Il connaissait très bien l'islam. Ces gens-là connaissent l'islam, les chrétiens d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui connaissent la vérité. Ya'rifun al-haq, comme al-yahoud, comme les juifs. Par contre, donc, ils méritent que l'on dise que ce sont des gens sur qui la colère d'Allah Azzawajal est tombée. Al-Marboubi alayhim. Ça, c'est une précision que nous donne Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Tayyib. Et le Cheikh, en fait, il va nous rapporter aussi un athar d'un des grands savants de l'islam qui s'appelle Soufiane ibn Uyayna. Soufiane ibn Uyayna, muhaddith al-Hijaz, qui est mort en l'an 198 à la Mecque. Qui est mort en l'an 198 à la Mecque et qui était un des grands, très grands muhaddith. Soufiane ibn Uyayna, rahimullah. يقول سفيان اسكو نو رابورت لو شيخ من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. C'est-à-dire que Soufiane ibn Uyayna, en ayant compris en fait le verset et en ayant compris en fait les sifat, les attributs de ces gens-là, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceux qui ont dévié parmi nos savants, ceux qui ont dévié par rapport à nos savants, et il dit bien le terme ici, les savants, c'est-à-dire il y a en fait une ressemblance, ils ont une ressemblance avec les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la vérité et ils n'ont pas travaillé avec la vérité. C'est-à-dire que maintenant on voit des savants qui connaissent le haqq, ils connaissent la vérité et ils ne suivent pas la vérité. Ce sont ces gens-là sur qui il dit Soufiane ibn Uyayna qu'il ressemble aux juifs dans leurs caractéristiques. Ils ont connu la vérité, ils n'ont pas suivi. Ensuite, يقول ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. C'est-à-dire ceux qui ont dévié parmi nos adorateurs. Donc on voit maintenant le terme qui est employé, min ubadina, qui sont les adorateurs. Min ubadina كان فيه شبه من النصارى. C'est-à-dire il y a en eux une ressemblance avec qui? Avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'ubad, al-ubad min hadhi al-umma, c'est-à-dire les adorateurs ou de cette, lorsqu'on dit al-ubad, c'est plus qu'adorateur en fait, c'est les ascètes, hein, ce qu'on dit comme les ascètes, les grands adorateurs, ceux qui font beaucoup d'adoration. Yaqul wa man fasada, c'est-à-dire ceux qui ont bien sûr dévié parmi al-ubad min ubadina, alors ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré Allah azza wa jalla avec jahl, bi jahli, c'est-à-dire avec quoi? Avec ignorance. Ils ont adoré Allah Azza wa Jalla avec ignorance. Donc, par rapport à ça, ils ont ressemblé sous certains points aux chrétiens. Ceux qui ont adoré Allah
sans en fait guidance. C'est qu'ils ont adoré Allah Azzawajal sans la vérité. Et ce sont des gens aussi qui sont égarés. Et ça, c'est pareil en fait pour min ubbadina. Et lorsqu'on dit l'ubbad, bien sûr, il rentre aussi également soufi. C'est-à-dire les soufis, ceux qui ont adoré Allah Azzawajal par des voies qui ne sont pas de la voie prophétique, qui ne sont pas de la voie prophétique. Ils sont donc ceux qui ont dévié par rapport à cela, alors ils ont aussi une ressemblance avec qui ? Avec les chrétiens. Ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Et par rapport à ça, il faut comprendre qu'en fait, la détérioration de la religion advient en fait de deux sources principales. La première source, c'est en fait l'innovation et ce qu'on appelle aussi l'innovation et aussi l'ambiguïté. C'est-à-dire al-bida'a ou al-shubuhat. Et ça, c'est une des grandes maladies du cœur. C'est-à-dire les innovations et les ambiguïtés. Les innovations et les ambiguïtés. Et en fait, elles vont mettre place, ces innovations et ces ambiguïtés, elles vont mettre place à une croyance qui va être fausse. Une croyance qui va être fausse. Par rapport à ça, on voit en fait qu'il y a une ressemblance an-nasara, wa min an-nasara, c'est-à-dire avec les chrétiens. L'innovation, wa shubuhat. Des gens qui ont qui sont remplis d'ambiguïté et qui ne connaissent pas la voie prophétique comme elle est. Et qui sont tombés, bien sûr, dans l'innovation. Ça, en fait, c'est une des causes de la détérioration de la religion. Et la deuxième cause, c'est ici l'acte qui va être en fait contraire à la croyance authentique. Même si la personne a une croyance qui est authentique, mais la perversité, c'est-à-dire elle fisqufu l'amel, la perversité dans l'action, la passion, le fait de suivre la passion, ça va le faire dévier. Wahuna fi shibhun min al-yahoud. Et c'est pour ça que Soufyan ibn Uyayna qala man fasada min ulama'ina. Et c'est ce que l'on voit en fait chez des savants. Des savants qui, en fait, certains que l'on qualifie comme mufti al-fussaq, c'est-à-dire ceux qui donnent des fatwas aux pervers. Et donc, on voit que ces gens-là, ils ont connu la vérité, mais ils ne l'ont pas appliquée. Pourquoi ? De par leur perversité, bifisqihim, de par leur perversité dans l'action, et par le fait qu'ils ont suivi la passion, ils ont délaissé al-haq. Et par rapport à ça, ils ont su, et ils n'ont pas suivi. Donc, minhuna, une ressemblance avec qui ? Avec al-yahoud. Shibhun min al-Yahoud, comme a dit Soufyan ibn Uyayna. Taïb, on va s'arrêter pour aujourd'hui pour le cours, parce que ça fait une heure maintenant, et on continuera, Inch'Allah, il reste très peu, il vous reste simplement certaines en fait fawaïd, certains bénéfices à donner encore par rapport à Surat al-Fatiha, et on commencera fi Surat al-Baqara. La semaine prochaine, on continuera en fait, après avoir fini les derniers points, il y a certains points qu'on doit finir par rapport à ce que nous a dit le Shir. Dans son livre, Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, et ensuite on commencera Surat al-Baqara. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le shir, il prend en fait certains versets de Surat al-Baqara, des versets où il a trouvé en fait des trésors de par l'explication, et il va nous en faire part, le shir. Exactement, il y a en fait 22 passages, c'est-à-dire qu'on va étudier 22 passages de Surat al-Baqara. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.